RCB Radio. Et mon invité est aujourd'hui Patrick Bruel. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir. Les petites surprises comme ça qui viennent là d'un seul coup, on se dit mais dites donc, Patrick Bruel nous ressort un titre et nous sort un album. Bonjour Patrick Bruel. Comment ça va? Bah ça va, alors c'est un petit Mon Amant de Saint-Jean, nouvelle version, nouvelle vie en fait, si je comprends bien. Eh ben on est dans un oui en fait c'est ça, dans cette valse enivrante qui fait penser à, bien sûr, à l'Amant de Saint-Jean, mais avec des textures 2021. Voilà, et surtout un propos qui est finalement éternel et universel. C'est la santé qui est le mot le plus employé depuis un an et demi. Et cette envie de se retrouver, de trinquer ensemble, de repartir sur des terrasses, dans la vie, sur les routes, à son travail, voilà, à l'école, à l'université, partout. On a envie que ça reparte. Et cette chanson, qui n'était pas forcément prévue pour sortir maintenant, tombe à point nommé. Donc on s'est dit, allez, allons éclairer un peu les ondes avec ça. C'est la santé des gens qu'on aime, et tu as à nouveau travaillé avec les gens que tu aimes, qui sont là depuis des années, Presgurvic, ben voilà, oui, Félix Gray, en fait. La Dream Team. Ils font partie de l'aventure. Alors, se rapprocher est sûrement le mot le plus important sur ce titre et sur peut-être le futur album qui sortira en septembre. Et se rapprocher, ça a été pendant un moment et pendant cette période de Covid où tu as décidé de faire des Facebook Live, de faire des petits concerts avec ta guitare. Et c'est peut-être là que tu t'es dit qu'en prenant une guitare comme ça devant... Des fois, il y avait quand même un Stade de France hein, devant. C'était de la folie. Il y avait 35-40 000 personnes. Facebook était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors, du coup, on part dans une petite tournée sympathique, guitare et voix, en fait. Guitare, voix, peut-être un musicien ou deux avec moi, ça dépendra. Rien n'est établi vraiment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une rencontre avec le public qui lui sera un personnage important du spectacle, parce qu'il y aura beaucoup de moments un peu interactifs avec eux. Voilà, que ce soit dans le choix des chansons, que ce soit dans des interventions, dans des choses. Et ils sont rentrés très nombreux dans mon salon, pendant ce salon de patron. Et je me suis dit, finalement, puisqu'ils sont venus très nombreux, à moi peut-être aussi de prendre ma guitare et d'aller vers eux, d'aller vers les gens, et d'aller dans des villes où je n'ai pas l'habitude d'aller, dans des salles beaucoup plus petites que ce que j'ai l'habitude de faire. Qu'il y a le 11 novembre à Gap au Quattro, le 3 et 4 tu vas à Sanary-sur-Mer au Théâtre Galli, le 8 et 9 décembre au Nouveau Siècle, c'est là où j'avais vu Barbara, le spectacle que tu avais fait, qui était énormissime, et puis on va finir par Paris, Casino de Paris, alors là c'est du 18 au 23 décembre, si ça s'arrête, hein, peut-être que ça va durer plus longtemps parce que ça va vite se remplir. Malheureusement ça ne pourra pas, parce que comme tous les artistes repartent en même temps, et tant mieux, les salles ont été prises d'assaut, donc les disponibilités de salles sont très réduites, donc on a réussi par miracle à rentrer tout ça, mais c'est pas extensible, donc malheureusement, il faudra quasiment se contenter que de... Donc il y aura aussi des festivals, et il y en aura quelques-uns, tu vas passer à Digne-les-Bains par exemple, ça c'est les premiers concerts, une dizaine de festivals, histoire de revenir sur scène en plein air, ça c'est bien quand même. Oui, c'est le plaisir de retrouver Vaison-la-Romaine, Albi, Carcassonne, enfin tous ces lieux mythiques pour les concerts, donc très heureux de pouvoir repartir, il y a des gens qui ont réussi à se maintenir, et tant mieux pour eux, tant mieux pour le public, qui a en plus très souvent gardé ses places, et qui a permis de maintenir en faisant ça. Donc ça, c'est un bel élan de solidarité aussi, et les festivals sont... Voilà, c'est très important qu'ils puissent vivre et survivre. Dans ce nouveau titre qu'on entend, et tout l'album, alors je ne sais pas comment... L'album sortira en septembre, ça c'est non, septembre. Novembre, à peu près, d'accord. Il y aura du silence, parce que c'est quelque chose qui t'a perturbé, toi, le silence, pendant cette période où tu étais seul à la maison, tranquille, Ça sera évoqué dans une des chansons. C'est marrant que t'en parles. Ouais, ça sera évoqué dans une des chansons. C'est un des moments qui m'a le plus frappé de ce confinement. C'est ce silence hallucinant. Mais tu dis, mec, même les oiseaux se taisaient, en fait. Il n'y avait plus rien. Ouais. Plus rien. Des après-midi où il n'y avait rien. Mais rien, rien. Ça faisait pas peur, non? C'était inspirant, peut-être. Je sais pas. Quelque chose se passait à ce moment-là.
Il y a le coffret, hein, ce soir ensemble, voilà, ça reste un message d'amour, c'est ce coffret live, un des derniers concerts, après on attendait. Moi j'étais en train... Et ah là, bah, on c'est enregistre... le témoignage de l'Arena, oui, bien sûr. Et tu sais qu'on enregistre aujourd'hui donc le 14 juin, mais demain normalement tu aurais dû être à Lille, voilà, les 15 et 16 juin, il faudra attendre bien sûr plus tard, en espérant, voilà, avec un 10e album, hein, ça sera le 10e album si j'ai bien compté. Ouais, c'est ça, sûrement. 10e album qui arrive donc au mois de novembre. On n'a pas encore le titre, mais on a ce premier titre qui est énormissime. Une ode aux souvenirs sur ce titre, un message d'amour et un album qui sortira bientôt, peut-être avec des silences dans cet album, mais difficilement sur scène. Hein. Je pense que si toi tu fais un silence, c'est les autres qui vont chanter. C'est ça qui est bien aussi dans les concerts de Patrick, c'est que les silences sont comblés par le public à chaque fois et ça donne quelque chose de sympa. Allez faire un tour parce que seul à la guitare ou avec des gens. Je sais que sur les lives, tu avais fait venir, il y a Vianney qui était venu, donc on peut peut-être avoir des surprises. Il y a peut-être des gens qui pourraient passer comme ça, des petits trucs sympas, quoi. Oui, ça sera une porte ouverte. Il y aura certainement des copains qui passeront dire bonjour de temps en temps, selon les villes, selon les soirs, selon leurs envies ou leur disponibilité. Et puis, il y aura aussi des gens que j'aurais peut-être repérés sur Instagram ou sur... Ah ouais, quand même. Sur, ah ouais. Sur les réseaux et qui peut-être, ça me plaira peut-être de les inviter à faire un truc avec moi, je ne sais pas. Bon, il va y avoir un côté très improvisé dans tout ça. Ça va être très sympa. Eh ben faites-vous plaisir, voilà, dépêchez-vous parce qu'à mon avis c'est très très vite et ça va très vite se remplir. Et puis si vous avez vos places pour les premiers concerts, il y a une dizaine de festivals cet été. Patrick Bruel, à la santé des gens que j'aime et nous on l'aime, donc voilà, on sera là sur l'album, on sera là tout le temps comme d'habitude. Merci beaucoup en tout cas. Merci et j'en profite pour dire à la santé de quelqu'un que j'aime, donc toi et à ton anniversaire, happy birthday mon ami. Merci. Et puis on n'oublie pas une chose, c'est la fête des pères ce week-end. En plus. Voilà, les enfants vont bien, tout va bien. Oui, pensez à vos papas. Ouais, hein. Pensez à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup Patrick Bruel, merci. Salut. RCV Radio, à la garde, sur 96.2.